Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va voir du top kill, de la baleine, du KVK et les events à venir. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, le premier lien en description de toutes les vidéos, à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater, on est de plus en plus nombreux et ça fait bien plaisir les amis. Je vais commencer par une petite question que beaucoup d'entre vous me posent. Quand vont arriver les rewards du dernier concours chasseur de statut, le retour? Normalement, c'est 24 heures après la soumission de la liste à Lilith. Je l'ai envoyé très rapidement. Ça devra arriver aujourd'hui ou demain. Si ça n'arrive pas, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire de la vidéo, soit plus simplement dans la section dédiée au concours sur le Discord de la chaîne une nouvelle fois. Les amis, regardons avant de nous attarder sur les morts et sur les trucs de ouf qui se passent sur certains KVK. Regardons au niveau des events, on a le pop tout en bas sur tous les royaumes. Chapitre d'été qui aura lieu donc du 19 août au 26 août. Classique, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus une dernière fois. Je pense que vous avez tous compris comment ça fonctionne à présent. On a aussi toujours la roue de la chance. N'oubliez pas la roue de la chance, il ne reste plus qu'un jour, 18h, 24 minutes et 39 secondes. Donc c'est le moment de la faire. Une nouvelle fois, si vous avez les mêmes commandants que moi, je vous conseille de prendre Ramsès, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que je vais avoir un petit peu de chance? 10 tours, hein. 10 tours c'est ultra rentable. Oui, de la nourriture, c'est super. Bien une roue moisie et un petit deuxième pour la route. On va voir qu'est-ce qui va me donner. Une sculpture en or, bon c'est très bien pour 400. Et toujours la taverne légendaire où j'ai 13 clés. On va voir. Rappelez-vous, hein, je vous fais 100% de mes tirages à plus de 10 clés et mon tour gratuit en vidéo. Et pas une seule fois, je crois que pour les 10 tours, j'ai eu un commandant plein 10 sculptures d'un coup. J'ai souvent 3 ou 4 sculptures. On va voir, et encore une fois, pareil, 3 sculptures. Donc c'est le tarif, c'est une bonne moyenne. Si vous-même, vous faites des statistiques de vos tirages, n'hésitez pas à me les partager en commentaire pour comparer. J'ai l'impression que c'est toujours ça, hein, 3 ou 4 sculptures. Pour la majorité d'entre nous, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très très rentable ce tirage. Bon après vous me direz, c'est gratuit donc c'est rentable. Mais est-ce que certains ont plus de chance? C'est la question que je me pose. Passons à présent au nouveau record de kill les amis. C'est assez énorme. Vraiment un score de ouf fait par notre ami MF qui continue d'avoir des stats de dingue, une dinguerie. Regardez notre ami MF, il est à 149 383 688 morts en Death Point. C'est énormissime en Kill Point, il n'est qu'à 14 milliards, hein. Ça pique déjà. Là avec 14 milliards, il doit être troisième je pense au niveau du Kill Point. Regardez sa puissance et c'est là que c'est impressionnant. Puissance actuelle, 158 millions. 987 155, puissance la plus haute, 603 millions. Le mec est 450 millions en dessous de sa puissance max. Vraiment, MF, un joueur énorme. Je vous ai déjà parlé, il est chez les JST sur le 1365. On va aller voir leur KVK. Mais avant d'aller voir leur KVK, je voulais également rectifier. Je vous avais parlé du fait que certains se plaignaient après Baba en disant que le mec avait peur de perdre de la puissance, etc. Baba qui est sur le 412 à présent. Eh bien, regardez, le screen est d'hier soir. Baba, puissance la plus haute, 1 milliard 235 millions. J'ai tellement pas l'habitude de dire 1 milliard pour la puissance. Puissance actuelle, 908 millions. Baba a tout de même perdu pour ce KVK près de 330 millions en kill point, 14 milliards également comme MF. Donc, quels que soient les résultats du 412, Baba fait le taf. Le mec a chuté de 330 millions de puissance pour ce KVK. Donc franchement, bravo. Là, une belle réaction en tout cas pour bien faire taire tous ceux qui disent qu'il ne perd pas de puissance et qu'il ne fait rien. Pour le coup, là, il fait le job, notre ami Baba, tout comme MF. Bravo à eux. On va tout de suite aller sur leur KVK et vous allez voir
que ça continue d'avancer en Terre du Roi. C'est le KVK parmi les KVK, hein, la D2, je dirais, où il y a le plus d'activité actuellement, 1365. Regardez ce que je vous disais. Il n'y a plus que le 1401 qui est Imperium, le 1412 dont je vous disais. Les mecs, ils sont toujours Imperium, alors qu'ils devraient avoir perdu leur statut, etc. Ils ne le sont plus à présent. Ce qui montre vraiment la puissance des fights qui a lieu actuellement en Terre du Roi. Les GST ont dominé avec les 412, puis se sont fait repousser par les C9N et 74, notamment également NV. Et là, finalement, ils sont de retour. Ils ont repoussé encore. Alors là, on n'est pas sur la bonne zone. Ils ont repoussé encore les GST. On dit que les JWM sont partis, ont abandonné le KVK. C'est ce que l'un d'entre vous me dit en commentaire. Je n'ai pas du tout cette info-là. Mais c'est sûr qu'au centre, au niveau des Terres du Roi, on ne voit pas d'avancée des JWM. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien. Mais regardez au final ce qui s'est passé durant la nuit. Je vous le rappelle, hein, il y a de ça une semaine, on annonçait les JST perdant face aux C9N. Puis après, il y a eu tout le drama sur le botting des C9N, alors que c'est des macros qu'ils utilisent, mais ça reste illégal et interdit dans le jeu. Et regardez notamment les ligues au niveau de ce flag, les SQD même, et pas les ligues, mais c'est le même serveur. Les SQD ont bloqué les C9N. Les C9N ne passent plus sur ce flanc-là, C9N, K9N. Humu, ça ne passe plus derrière sur la porte suivante. Ça ne passe pas non plus, c'est bloqué par les JST. Et au sud, il reste juste quelques petits drapeaux, notamment sur le côté des L9H. Mais ça a brûlé et ça va continuer de brûler de l'autre côté, du côté des JST. Ça ne brûle pas du tout et il reste une petite percée sur le flanc en bas à droite, hein, par les 64 PL. Mais pour combien de temps est-ce que les flags brûlent? On va essayer de les voir. Les flags ne brûlent pas sur ce côté-là. Est-ce qu'en face ils brûlent? Non, ils arrivent à tenir au niveau de ces flags. Mais vous le voyez, la map est entièrement dominée en Terre du Roi par les 412 et leurs alliés, les GST, les Ligues, les SQD. Donc vraiment un gros retournement de situation. Actuellement, la ziggourat n'est pas prenable, le timer n'est pas encore déclenché, mais ça va arriver. Bon, on comprend à l'emplacement des flags que la ziggourat, alors laissez-moi vérifier que ce soit bien que la même alliance. Oui, c'est les GST. Est-ce que c'est les GST des deux côtés? Est-ce qu'ils ont fait tout le tour? Non, il y a les MTC1, mais c'est le même serveur. Donc, on comprend que la ziggourat va être pour le 1365. Hein. Là-dessus, il y a peu de doute. Après, ils peuvent faire sauter les drapeaux et les donner aux 412, mais c'est quand même eux qu'on fait le gros du taf. Un KVK vraiment impressionnant. Des joueurs très impressionnants, hein, dans les deux camps. D'ailleurs, regardons au niveau des GST, les membres de l'Alliance, ils ont tous énormément perdu en puissance. Rappelez-vous, les JST étaient à pratiquement 19 milliards de puissance. Ils sont à 11,2 milliards, ce qui est vraiment une chute énormissime. Impressionnant ce KVK. Et encore une fois, il n'est pas encore fini. Là, ça semble complexe pour les C9N et leurs alliés de retourner la situation. Mais c'est pas impossible, on a déjà vu pire retour que ça. Rappelez-vous, fut un KVK où justement il y avait les JWM. Et bien les JWM s'étaient fait repousser totalement des Terres du Roi en Light and Darkness. Et ils avaient fait un comeback de ouf et ils avaient repris toute la zone. On va continuer à aller voir un KVK qu'on n'a pas encore vu et dont on n'a pas encore parlé. Et pourtant, ça parle beaucoup de lui sur Facebook. Il s'agit du C1100 qui a 35 jours. 5h, 42 minutes et 35 secondes, 36 secondes avec le 1939, le 2000, le 94 SL48 et le 1075. Alors déjà, quand vous avez un royaume qui est en fin de KVK comme ça et qui est toujours Imperium, moi je trouve que c'est pas bon signe, c'est forcément un KVK où ça ne s'est pas assez battu, où ça n'a pas assez perdu de troupes. Normalement en fin de KVK, surtout si vous perdez ou si vous perdez, vous devez être sorti du statut Imperium. Le 1075, c'est le royaume de Shizgul, un très gros royaume avec des très gros joueurs. On le voit souvent dans ses streams. Allons voir tout de suite, il se retrouve seul contre les trois autres royaumes, contre le 39, même les quatre autres royaumes. Les trois autres camps, l'eau, le feu et la terre, sont contre le vent. Shizgul en 1075 était en bas à droite et est toujours en bas à droite.
Ils avaient fait un très bon début de KVK. Ça ne trash talkait pas. Le 1075, j'ai déjà été contre eux en KVK. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de trash talk de leur part. C'est un royaume qui, s'il l'est encore, était plutôt correct. Et regardez, sur leur zone de sortie, en zone niveau 4, ils avaient dominé. Ils étaient sortis bien loin et ils avaient bien enfermé hein, là sur ce côté-là avec ce flag-là, avec les SMR. Ils avaient bien enfermé le camp. Alors, je crois que c'est terre en haut à droite. Ils l'avaient bien enfermé en San Pedro. La zone était entièrement à eux. Ils étaient détendus. Sur le côté, de l'autre côté, hein, en Ceylan, la même. Ils avaient enfermé le camp. Alors, eux, c'est pas vent, c'est le camp. Si c'est pas feu, c'est pas eau. Si c'est eau, le camp eau qui était en Leverkusen, ils l'avaient bien enfermé. Et également, ils avaient pris toute la zone. Donc, forcément, en La Havane, ils sont sortis détente, mais ils n'avaient pas réussi à passer plus loin. Après, ils ont réussi. Ils sont passés dans la zone intermédiaire Sakaka. Ils ont avancé. De l'autre côté, ils n'ont pas réussi à passer dans le camp, mais il restait le plus gros opposant qui, lui, s'était bien reposé, hein, du coup, hein, qui était le feu. Et quand c'est arrivé en terre du roi, hop là, on va se mettre en terre du roi, et bien regardez le feu avec les 94 VN notamment qui ont fait un très très gros. Alors, les 94 VN, ils ont dû perdre tellement en puissance. Un très gros League Osiris, hein, le dernier, la saison 4. Très beau parcours, et bien regardez. Là, ils ont été totalement bloqués. L'alliance du 10-75, les SW, qui ont fait aussi hein, pas mal en Ligue 4, hein, mais moins bien qu'en saison 3 et 2 de la Ligue, et ils sont et qu'en saison 1, et ils se sont fait totalement repousser. Ils n'ont pas réussi à aller sur la terre du roi. Et au final, à 1 contre 3 sur ce KVK, eh bien, ils perdent ce KVK, malheureusement. Et certains disent, ah ben, c'est bizarre, quand on écoute ton stream, on n'a pas l'impression que tu perds. On a plutôt l'impression que c'est toi qui gagne, c'est ce qui était reproché à Chizgul, hein, sans cette petite voix, bien évidemment. Eh bien, écoutez, là, on le constate, malheureusement, le 1075 va perdre son KVK. C'est des choses qui arrivent, mais ça reste tout de même un royaume énorme. Mais encore une fois, je suis surpris par ce fait qu'ils soient encore dans leur statut Imperium 14 milliards 6. C'est quand même beaucoup pour une alliance qui perd. Je suis très étonné qu'ils soient à cette puissance une nouvelle fois. Ils devraient être beaucoup plus bas. Et regardez, il n'y a pas de zone de fight. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas mobilisés. Quand on compare aux royaumes comme celui des JST, du 412, les C9N et bien d'autres, on est vraiment surpris du fait qu'ils soient si peu sur le combat, quelle que soit l'heure sur le serveur, pour des serveurs aussi gros. A few moments later. On va retourner également sur le C1-11-18, ce KVK énormissime hein, où il y a notamment le 1556 et le 1114, mais pas que, hein, le 1359, le 1530 et le 1945, on le voit, hein, toujours ces 5 royaumes ont toujours leur statut impérium, et là c'est des vrais impériums, hein, on est en saison de conquête. Vraiment des très très gros combats sur ces serveurs là et le 1556 hein, est en train d'accueillir, de préparer plutôt une très grosse migration à venir notamment après leur KVK. Est-ce qu'ils vont passer en stat devant le 1846 hein? C'est ce qu'on attend de voir, je vous montrerai le classement mis à jour une fois que leur KVK sera fini, sachant que le 1846 n'est plus en KVK pour le coup. Et regardons ce qui se passe, comment ça avance. Donc le 15556 hein, n'a pas toutes les zones, mais il en a quand même pas mal. Il a pris Kalcha, hein, il a bien avancé en Kalcha. Hop, ah, regardez, c'est facile pour lui de prendre Kalcha puisqu'il est avec ses alliés au sud. Hein, il n'y a pas de fight sur cette zone-là. En Brookton, ça a ouvert. Alors, d'abord, ils sont en Benguela, ça a ouvert aussi en Zarat où là, ils ont avancé. Et ils n'ont pas eu d'opposants sur ce côté-là. Ça a avancé également en Brookton. Ça a bien avancé en Brookton. Sur les hôtels des ténèbres, c'était plutôt détente de ce que j'en ai vu et ce que j'ai suivi. Mais tout le monde se prépare sur les différentes ouvertures de portes où les gros combats vont avoir lieu. C'est pour ça qu'ils sont toujours et ils ont toujours leur maîtrise et leur statut impérium. Là, c'est le calme avant la tempête. D'ici une semaine, c'est les gros combats qui vont démarrer sur ces serveurs-là. Vous le voyez, hein, certains royaumes se préparent comme le 114. Hein. Le 114 a déjà entouré sa porte de niveau 7, même si elle n'est pas encore ouverte.
Il a raison, il faut du temps pour construire sa forteresse hein, sur les deux côtés. Alors je crois que de l'autre côté, il n'a pas besoin de le faire, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, sur l'autre côté, il n'a pas besoin de le faire. Donc le 114 est déjà prêt. Et vous le voyez, hein, le 1556, lui, il est plutôt détente, il est plutôt serein, même si les Song mettent des forteresses pour faire des passe-murailles. Lui, il ne blinde pas de forteresse pour le moment sur les côtés, hein, sur ses portes pour avancer. C'est pour ça qu'il va forcément avoir du fight. Les mecs vont vouloir débouler, même s'il a la chance d'avoir eu certains de ses alliés en contact direct. C'est vraiment une carte et des positionnements qui sont intéressants. Le plus agressif, quand on regarde la map comme ça, n'a pas l'air d'être étonnamment le 1556, mais ça a l'air d'être le 1114 qui a vraiment l'air d'être au max sur ce KvK. On va voir ce que ça va donner. Le 1114, évidemment, ça reste un royaume énormissime. Hein. Les 114K, 16,633 milliards. Je pense que c'est la plus grosse alliance sur ce KvK. On va vérifier tout de suite qui a la forteresse croisée du côté du 1556. Mais si ce n'est pas eux qui sont plus puissants, je ne vois pas qui peut l'être. Hein. 16,6 milliards, c'est pareil. Donc les deux plus grosses alliances sont vraiment des alliances à 16 milliards et demi. Ça va dropper, notamment pour accueillir les migrations. C'est pour ça qu'il va y avoir max de morts sur ce KvK. Et c'est pour ça qu'on va le suivre. En parlant justement de KvK à suivre, regardez, on retourne sur le 1256 et sur mon KvK. Mon KvK est fini dans 18 heures, 7 minutes et 19 secondes. À présent, ça va être le moment d'avoir les récompenses et de faire les achats. J'en ai déjà fait pas mal au niveau du roulement d'honneur. Pareil, il va falloir tout récupérer et continuer. On va voir ce qu'on va faire nous par la suite. On est en train d'accueillir aussi une migration. Vous êtes nombreux à me demander si la technique de blinder ses hôpitaux pour diminuer son matchmaking ou pour migrer fonctionne encore. Oui, pour le moment, ça fonctionne encore. En tout cas, nous, on diminue pas notre matchmaking avec. Alors, ça fonctionne plus, il me semble, pour diminuer son matchmaking avant un match d'Osiris pour le pré-KvK. Je pense que c'est toujours pas pris en considération. Ça sera à vérifier. En tout cas, pour sortir du statut Imperium, ça fonctionne toujours. C'est ce qu'on est en train de faire. On est sorti du royaume Imperium à présent pour accueillir les grosses migrations. Alors, je vais vérifier que je vous dise pas de bêtises. On n'est toujours pas Imperium, on était là, on n'est toujours pas Imperium, donc on est bien sorti du statut. On a des grosses migrations en cours et on se prépare pour le prochain KvK. On devrait normalement passer notre tour sur le prochain KvK. Je vous dis bien normalement, on devrait passer notre tour pour justement faire un KvK plutôt sur le dernier trimestre et nous remettre de ce KvK-là qu'on a gagné non sans peine, hein, comme vous le savez. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de migrants et de gros joueurs, des joueurs énormissimes, qui arrivent sur notre serveur. On finit, les amis, sur le Discord, la section Discord Event du Discord officiel. Je suis toujours surpris, je vous le dis à chaque fois, et il y a toujours aussi peu de votants, je dirais pas de votants, mais de participants plutôt à ce contest. Il y a une section Discord Event sur le Discord officiel de Rock. Vous ne pouvez pas la rater. Et pratiquement tous les jours, il y a 7000 gemmes et des goodies, comme ils disent, des accélérateurs, etc. à gagner. Il suffit de cliquer sur le bouton là que je vous montre avec le curseur. Donc cliquez dessus, allez-y, les amis. C'est gratuit et souvent, je le vois sur le Discord de la chaîne. Vous êtes nombreux de la chaîne à gagner. Donc allez-y, avec 300 ou 500 votants, ça vous fait une chance sur 500. C'est énormissime, une chance sur 500 de gagner 7000 gemmes. Donc allez participer, vraiment, n'oubliez pas, c'est gratuit et c'est quasiment tous les jours, les amis, que vous pouvez aller tenter votre chance et avoir 7000 gemmes. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.